Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour notre séance numéro 1. On va d'abord commencer avec l'échauffement. Donc l'échauffement aujourd'hui se compose de 4 exercices. On va avoir squat en premier, ensuite on va avoir des burpees, ensuite on va avoir des pompes et on va finir par des relevés de buste. Donc on aura besoin du tapis et c'est le seul matériel dont on aura besoin pour notre échauffement. Premier exercice, des squats. Donc on peut être en appui sur le tapis si besoin, sinon on peut se reculer du tapis. Pour le squat, c'est simple. Pieds sous les hanches, pointe de pied vers l'extérieur. On va venir descendre les fesses vers le sol et vers l'arrière en poussant les genoux vers l'extérieur. On remonte, on inspire à la descente et on expire à la montée. Parfait, on garde ça, on évite de claquer les genoux quand on monte. De profil du coup. On envoie bien les genoux vers l'extérieur, le dos reste droit. Si on sent qu'on commence à avoir des douleurs dans les lombaires, on réduit l'amplitude. C'est pas grave. Réduisons l'amplitude, prenez le temps qu'il vous faut et faites un bon mouvement. Ça c'est notre premier exercice. Deuxième exercice, burpees. Donc pour le faire, on part pareil que sur un squat. Pointe de pied bien vers l'extérieur et sous les hanches. On descend, on descend, on descend. Dès qu'on sent qu'on ne peut plus descendre, on va basculer vers l'avant, reculer une jambe, puis reculer l'autre jambe. Une fois qu'on est en position de planche, on fait bien attention d'avoir notre alignement entre les épaules et les mains. Et ensuite, on va pouvoir remonter. Donc ça, c'est notre premier niveau. On bascule devant. Ok. On redescend. Une fois, c'est la jambe gauche qui nous permet de remonter. Une autre fois, ça va être la jambe droite. Donc ça, c'est pour le premier niveau. Deuxième niveau, on descend un peu plus rapidement. On envoie directement les jambes derrière et on recule. On descend. On bascule, on fait un léger saut et on revient. Une dernière fois. Parfait. Troisième niveau. Donc ça va être le niveau un peu plus difficile. On descend. On vient carrément au sol. On remonte et on saute. On descend. On est au sol. On se repousse du sol avec une pompe. Et on remonte. Donc ça c'est notre deuxième exercice. Troisième exercice. On vient au sol. Les pompes, donc les mains plus larges que les épaules. On peut commencer sur les genoux si on le souhaite. On engage fort dans les abdos, donc on aspire bien le nombril. On sent qu'ils sont rapprochés de notre colonne. On descend et on remonte. On pense bien respirer. On inspire à la descente, on expire à la montée. Impeccable, on peut passer sur pointe de pied, c'est trop simple. Ok, prenez le niveau que vous souhaitez. Prenez les options qui vous conviennent. Dernier exercice, on est au sol. Pour les abdos, bras en croix, donc sur les épaules, on regarde au-dessus de soi, on aspire le nombril, comme sur l'exercice précédent et comme sur les autres exercices. On monte doucement, on regarde bien au-dessus de soi, pour éviter de regarder devant, parce que si on regarde devant, il faut commencer à remonter. Là, vous allez avoir des grosses tensions au niveau des cervicales, donc c'est pas très bon. Donc, vaut mieux chercher à simplement décoller les épaules et que ce soit réellement les abdos qui vous fassent monter plutôt que chercher à décoller les omoplates et que là ce soit votre nuque qui vous fasse monter. D'accord? Et après c'est simple et que vous y arrivez bien. Cherchez à décoller vos omoplates. Expire à la montée, inspire à la descente. Ok, donc là c'est bon, on en a fini avec l'échauffement. Une fois qu'on a fini avec l'échauffement, on s'hydrate bien. Et on va pouvoir passer à la suite.